Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les quarts de finale de l'Europa League et également les derniers matchs de championnat parce que oui, le championnat néerlandais se termine le 5 mai, donc c'est très bientôt. Donc aujourd'hui match de championnat, match aller et match retour d'Europa League et ensuite on se jouera les 4 derniers matchs de championnat. Je vous fais un petit point classement juste après. Donc voilà, la saison se termine très très tôt. Également, les négociations ont commencé au niveau des transferts. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, quand on clique sur agent, vous pouvez voir à droite les négociations en cours. Donc là, on négocie avec tous les clubs possibles. Donc avec l'Ajax, on n'a pas réussi à mettre les buts dans la lucarne. Sincèrement, je pensais vraiment qu'on allait y arriver quand même. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, on ne les a toujours pas réussi. Donc on verra, mais à mon avis, ça sent pas très bon. Ça sent plus bon par contre pour aller signer du côté de Leipzig. Voilà, on remplit tous les objectifs maintenant, à savoir s'ils nous veulent. Parce que là, c'est moi qui ai choisi le club. C'est pas eux qui sont venus vers moi. Au niveau de la mise à jour également, puisqu'il y a eu une mise à jour, nouveau crampon. On a les crampons de Haaland. C'est ceux que j'ai actuellement dans les pieds. Je vous fais un petit zoom dessus, qui sont un petit peu avec le drapeau norvégien dessus. Et la petite dédicace. Je pense que c'est sa dédicace à lui. Alors je sais pas, en vrai de vrai. Parce qu'il est numéro 36. À moins que ce soit son numéro préféré. J'en ai aucune idée en vrai. On a les nouvelles Adidas également. Qui sont vraiment pas terribles. On a les nouvelles Adidas. Alors également on a celles-là. Qui sont... J'aime beaucoup. Hein. C'est très classe. J'aime beaucoup en fait ce petit noir violet. Moi j'adore le violet. C'est une de mes couleurs préférées. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On a également du coup les nouvelles Adidas de Messi qui sont... qui sont à vomir. Je suis désolé, mais alors là, c'est une catastrophe. Les couleurs orange avec un peu de bleu turquoise, c'est horrible. Franchement, c'est une catastrophe. Également, ils ont ajouté la nouvelle interface de la Première Ligue. 120 nouveaux visages également mis à jour, je crois. Je vous fais un petit point d'abord classement. Vous pouvez voir que ça va être très serré. Hein. Ça va être très serré. C'est pour ça qu'il faut prendre 3 points là dans ce match-là. Et au cas où on ne prendrait pas 3 points, ça annonce un dernier épisode assez serré. Hein. Donc, il y a eu la mise à jour avec les nouveaux visages. Donc, comme vous le savez, c'est l'un des gros problèmes de FIFA. C'est que quand vous commencez une carrière, vous ne pouvez pas avoir les nouveaux visages. Parce qu'en fait, ils mettent à jour. Et ensuite, ils mettent à jour dans les serveurs. Et surtout, ils ont mis du coup la nouvelle interface de la Première Ligue. Et de ce que j'ai pu... alors, ça a vérifié. Hein, donc, n'hésitez pas à me dire si vous jouez en Première Ligue. Vous avez déjà commencé une carrière. Dites-moi si vous avez la mise à jour de l'interface. Parce que apparemment, il faudrait recommencer une carrière pour avoir la mise à jour de l'interface. Je trouve ça très bizarre, mais il y a peut-être... Putain, même là-dessus, je me loupe, bordel. Alors, j'interviens dans la vidéo pour vous dire que, en effet, vous aurez la mise à jour de l'interface de Première Ligue sans forcément recommencer une carrière. Voilà, tout le monde l'aura. Donc, je trouvais ça quand même assez bizarre. Mais j'ai vérifié et du coup, c'est bon. Tout le monde a l'interface de Première Ligue. Voilà, je vous laisse de nouveau avec la vidéo. Oh là là, j'ai bien résisté là. Il passe. Allez, tout seul. Voilà, let's go. 17ème minute, 1-0. On va quand même essayer d'aller chercher la lucarne. Hein. Oh, bah, l'égalisation, attention. Oh, il s'est loupé. Dommage, il a cherché la lucarne. Après, peut-être mon défenseur joue un rôle là-dessus, il a peut-être un petit peu déséquilibré. D'ailleurs, n'hésitez pas également, j'ai une chaîne secondaire, hein, pour ceux qui le savent peut-être pas, Psychatom TV. Tout est dans la description de toute façon, si vous voulez mon avis sur le nouveau Call of. Voilà, je vous ai sorti une petite vidéo sur avis du nouveau code. Voilà, let's go. 2-0. Nous aussi, j'ai l'impression que ça passe un peu facilement. Hein. En plus, ils sont lents, mais ils font un peu n'importe quoi. Heureusement pour nous. Et on va pouvoir aussi se débarrasser de ce numéro 99. Hein, ça y est. Hein. On va assumer le numéro 9. Est-ce qu'on continue les passes ou pas? Oh oui! Let's go! 3 passes D! De toute façon, j'ai reprise acrobatique. J'ai voulu tenter, j'aurais peut-être pu mettre la tête, j'ai fait une faute. J'ai mis un coup de crampon de Haaland dans la tête. On va laisser notre place, hein. 3-0, on va pas... Voilà, comme ça, au moins,
On est sûr d'être à 100% pour le match de Coupe d'Europe. Pas de risque de blessure. Voilà, on risque rien parce que là, on sait jamais. Hein. On sait jamais, on se blesse ou quoi que ce soit. Ça serait embêtant quand même. Hein. Match d'Europa League. Vous voyez, j'aime pas trop en vrai la couleur des crampons parce qu'en fait, c'est la même couleur que le gazon, donc ça se voit pas forcément tant que ça. Ils sont. Oh non, mais c'est une défense à 3, c'est comment. Comment ils. Il faut que je la mette. Okay. 42e minute. 1-0. Attention, ok, bah porte ouverte. En début de seconde période. Ils ont égalisé au bon moment et. Et ils marquent en début de seconde période. Alors j'espère, j'espère vraiment pas me faire éliminer par ce club. Hein. Il y aura le match retour, hein, mais donc d'ici là on a le temps. Mais moi aussi, il faut que je marque aussi là. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà le petit extérieur du pied. Allez, réduction du score. On y va. Attention. Oh là 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 là. Au niveau des. Oh là là. Ok, belle parade. Enfin, les mains fermes. Well, the tempo of the game and the noise of these Ajax fans has certainly increased over the last few minutes. Can they make it count now with a goal? Magnifique. Let's go. Couldn't be any better. Played into just the right area, which makes it a fairly simple finish in the. Attention, parce que là ils vont commencer à jouer haut. Bien joué ça. Okay. À nous de jouer les contres. Oh, regardez les portes ouvertes. Il n'y a plus personne. Le petit extérieur du pied, let's go. Et ben voilà. 4-2. Oh là 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 là. Deux minutes de temps additionnel. Ok. Oh. Ah, dommage. Ok, bon, petit triplé, deux petits buts d'avance. Liverpool qui gagne 3-1 face à la Lazio. Match retour, match retour. Bon, normalement, ça devrait aller. Hein. Bon, bah, je pense qu'on va se retrouver vraiment là pour le coup, les grosses, grosses occasions, hein, parce que je pense que... Les gars. Ouais, 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 commencez pas à leur donner espoir là quand même. Ok, let's go. Regardez l'espace là qui est en. Regardez au milieu. Vous avez vu ou pas? Je sais pas, c'est. Putain, mais j'arrive pas à aller chercher la lucarne, hein, c'est fou. Hein. Bon, 1-0. Bon, bah ouais, je pense que le match là il va vite être plié. Hein. Non mais c'est pas possible. Holtmann. Eh, c'est pas mal comme nom, hein, Holtmann. Vous voyez, des fois, si vous cherchez des noms de joueurs, il suffit de s'inspirer des autres. Hein. Holtmann. Je trouve ça sympa. S'il y a moyen que ce soit un néerlandais, lui. Hein. Oh oui, c'est magnifique. Oh, j'ai tellement une bonne conduite de balle maintenant. Ça fait plaisir. Elle est juste dosée à la perfection. Hein. Ça va être la mi-temps. Alors, est-ce que sur cette relance du gardien. Oh oui. Rouli. Oh, il se loupe.
Voilà. Allez, 3-0, c'est terminé. Et nous, à chaque fois, on va les tuer sur les contres, en fait. Hein. Là, il n'y a plus de match. Là, il n'y a plus de match. Ouais. Là, il y avait un trop gros écart de niveau, là, je pense. Ah. Alors, peut-être... Non, Rulli, il a touché. Hein. Non, il a loupé sa frappe. Non. Oh, il y a moyen qu'il... Oh, il l'a loupé. J'espère pas tomber... Bien vu, bien vu ça. Bien vu, bien vu, bien vu. J'espère qu'on va avoir une finale serrée, hein, par contre. Hein. J'espère qu'on va avoir une finale serrée. Victoire 4-1. Bon, il n'y avait pas de huitième. Hein. Clairement, il n'y avait pas de quart de finale, plutôt. Il n'y avait pas de quart de finale. Les voici, les demi-finales. Yes! Let's go, on tombe pas face à Liverpool, donc ça sera peut-être Liverpool si on va en finale. C'est parfait, franchement, c'est les tirages qu'il nous fallait absolument. Je pense que Liverpool va gagner face à l'AS Roma. Je pense qu'ils vont passer. Allez, on enchaîne de nouveau avec un match de championnat, puisque là, ça a été assez court. Hein. Donc, match de championnat très important, comme vous pouvez le voir, en 30e journée. Bon, ça va se jouer entre deux clubs. Hein. Ensuite, à la 3e place, bon. Il y a 10 points de, 11 points de retard. Mais bon, déjà, si on prend 3 points là, ça nous met plutôt bien. Par contre, on va sûrement sortir dans ce match. Hein. Faire très attention parce que on a augmenté hein, le risque de blessure. Hein. Alors, on a réduit la fréquence de gravité de blessure pour le coup. Mais vu qu'on a augmenté la fréquence de blessure pour apporter un peu plus de réalisme. On fait attention. On fait attention. Oh, attention, attention. Faut aller au marquage là sur le joueur au milieu. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. Ok. Non, c'est n'importe quoi. Ils ont pas. Non, mais me dites pas qu'ils ont cassé le jeu là. Non, parce que j'ai l'impression que ça va très vite. Alors que quand même, j'ai réduit la vitesse du jeu. Hein. Je sais pas si on se rend compte, hein, mais je suis en vitesse lente. Plus les vitesses que j'ai réduites moi-même. Plus la vitesse des passes que j'ai réduit. Let's go. Allez, 1-0. Regardez, on résiste à tout le monde. Oh, c'est trop. Et il commence à bien résister. Hein. Et c'est pas Fares. Hein. Je suis toujours pas sorti hein, pour le coup. Il y a peut-être moyen qu'on sera un petit peu fatigué. Hein. Et deux jours de repos. Oh, ils vont égaliser. Oh, ils vont égaliser, je le sens. Oh là 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 là. Ah, je suis pas confiant. Je suis pas confiant. Il va rester 10 minutes. Eh les gars, ne vous faites pas. S'il vous plaît. Ok, c'est bon. Fouh. Bon, et ben voilà. Voilà pour cet épisode. Rendez-vous, du coup, très vite pour la suite. Dernier match de championnat. Et les derniers matchs d'Europa League. Est-ce qu'on va aller en finale ou pas? Peut-être que l'épisode sera en avant-première. Je sais pas trop, en vrai. Je verrai si la vidéo elle est prête, enfin j'arrive à la mettre assez prête. Du coup je vous la posterai, je vous la mettrai du coup peut-être ce week-end.
Donc on verra. On verra et qu'on voit comme ça, on pourra regarder tous ensemble. Voilà. Du coup, à très vite. On a 10 points de compétences qui nous attendent, mais comme je l'ai dit, hein, on les mettra vraiment à la fin. Voilà. Et puis, bah, du coup, bah, nous, on se donne rendez-vous pour la suite, très rapidement, voilà, avec les derniers matchs de championnat et les demi-finales d'Europa League. Peut-être que ça sera un épisode en avant-première que je posterai, que je planifierai, du coup, pour ce week-end. Comme ça, vous aurez juste activé la petite clochette sur la chaîne. Donc, on verra. On verra, ou peut-être que je la posterai beaucoup, je la posterai comme là. On verra. On verra. À très vite. N'oublie pas le petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui mettent le petit j'aime. C'est très important. Ça aide énormément la chaîne à être mise en avant. Ça me soutient également. Donc, merci à tous ceux qui mettent le petit j'aime. Ça fait découvrir également la chaîne à d'autres personnes. Donc, c'est plutôt cool. À très vite. Ciao.